Bête, démon, mort-vivant, murloc, mecha. AFK peut-être? Démon. Mec. Démon et mec. Bec au vent, j'aime pas. À la kire, ça peut être ok. Il charge aussi. Moi, je préfère quand même AFK. Rien que pour les démons, c'est cool. Si j'arrive à trouver le 2-1 démon, avec les mechas dans le lobby, ça peut être sympa. Je peux même pas la jouer. Ah bah ouais, je peux pas jouer les deux premiers tours, c'est rigolo. Sauvage. On gèle que s'il y a un sort à deux hein, pour pouvoir monter. En bonne voie. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Deux bouts de feu ou un menteur? Ouais, menteur, c'est pas fou. Peut-être deux bouts de feu, hein. Il y a un monde où on les garde en main. Bon, en taverne 2, il y a quand même des râles d'agonie intéressants. Et en taverne 3... Non, je pense qu'il faut les jouer quand même. Sinon, on va se faire défoncer. Pas ouf ce doublon. Après on pourra le tripler, hein. Ça va être intéressant, mais évidemment c'est pas ce qu'on recherche. Salut remplisseur, comment vas-tu? J'aime bien ton live. Ah bah c'est gentil, merci. Eh bien, ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. On va remonter, hein. Faut vraiment vite le trouver, lui. Il y a un monde où au prochain tour, je up. Et comme ça, on essaye de le tripler dans la taverne 5. Bout de feu des tarifs. C'est la première fois que je fais ce départ avec double bout de feu. Bon. Ça va, il a up aussi. Ok. Ébrouez-vous un peu. Ça c'est cool.
Ça c'est cool quand même. Soit up, soit ça. Ça c'est tentant, mais... Si j'up, je peux pas le geler, ça a pas de sens. Je le prends, hein. Ouais. J'aurais bien aimé un autre démon. Par rapport à l'anomalie, pas au bibelot. On peut faire ça sur ça. Vous avez réussi! La ville est en sécurité à présent. Ok. Le Rewinder devient une bonne carte maintenant? Ah zut, dommage. En plus, il y avait le Haras, ça aurait été intéressant avec le Biblo gangressant. Peut-être la roue, hein. La roue, ça peut manger. Le fait de booster la taverne, c'est intéressant. La roue, j'aime bien. Surtout que là, j'ai pas véritablement de plan de jeu. Il y a eu plein de pièces, vous avez vu? C'est bizarre ce qui s'est passé, non? Il y a un delay de pièces. Ah ouais, trop drôle. Ok. Étrange. Je me nourris de votre colère. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Jouer gros. Maintenant, il va falloir assumer. Match. Magnétisme peut être intéressant. Éprouvez-vous à... Vu qu'on a quand même beaucoup d'attaques. Vous pouvez y arriver. Surtout que... Oh, ça peut être fat. Ça peut troll aussi. Hein. Mais j'ai jamais le droit au bonheur en fait. C'est donc comme ça. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Non mais sans blaguer, hein. Sans blaguer, hein. Je peux pas jouer dans ces conditions. C'est trop difficile, hein. Moi, je suis fragile, hein.
Entre le 13% de la game d'avant là qui t'amène au top 8 alors que je dois être là. Je dois être là, je tombe là. Je paye 6 mana pour... pour me faire tilter. Sérieux. C'est pas possible ça. C'est quoi cette probabilité? Pas de bagarre dans le saloon. Allez régler ça dehors. Ça change tout hein, c'est con mais... Parce que là le moindre petite stat... Ouais là en plus je vais prendre 15 derrière, là c'est vraiment une forme de cruauté là pour le moment. Dans les parties. Ouais. On l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Ça peut faire deux fois la pyro ou pas? Déjà la pyro c'est rare comme, comme bibelot. Besoin d'un bon coup de balai. Pour elle est tontée, hein. Ou alors non là. Hein. Draka. Draka ça marcherait pas vraiment. Invocatrice, ça va être pas mal, je double l'attaque des deux. On fait ça, hein. Bon, désolé les gars, mais franchement, j'ai essayé de vous garder, mais vous faites vraiment pas d'efforts, hein, les loulous. Hein. Je fais un truc comme cela. Techniquement, ça, ça peut activer lui. Bon, là, je pense qu'on en a pas besoin contre le mort. Mais techniquement, ça, vous voyez, on peut faire des spots comme ça. Mais je pense qu'on va, on va rester sur ce setup-là. Ouais, je suis pas venu ici pour souffrir. C'est un peu la, ce que je ressens, là. Tout à fait. Salut, Arcasma. Ouais, j'ai arrêté Marvel Snap. Du moins, je mets en pause. Je pense que je fais une petite vidéo pour expliquer. Et je prends plus de plaisir à jouer au jeu. En tout cas, en ce moment, je trouve que le jeu n'évolue pas. Donc, voilà. Et c'en est où l'histoire du chien que tu veux l'adopter en mars? J'ai mis de côté pour le moment. J'ai acheté des meubles, j'ai eu des frais récemment, donc j'attends d'avoir de l'argent pour ça. Ok. Manger, c'est bien. Manger. Votre confiance, votre échec. Karazhan. Karazhan, c'est pas mal en vrai avec les doubles déflecs. J'aime bien Karazhan. C'est quoi l'idée? On achète lui à la place de l'oiseau en fait. Hein. Ah non mais... C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Mieux, mieux. Ok. C'est pas mal là. On a 4 déflecs. Ouais, c'est intéressant avec le full. Ouais, j'aime bien l'idée. Mais ouais, non, adopter le chien, c'est objectif prioritaire, mais avant, je vivais en appartement, après, déménager en maison, ça fait des... forcément, ça fait des frais. Prévu, non prévu, donc
Donc là, j'attends de renflouer les caisses, comme on dit. Allez, du nerf. Rien n'est perdu. Salut Paul, ça va et toi? Karazhan, c'est jamais décevant. En tout cas, à chaque fois que j'ai Karazhan, j'ai l'impression que je fais top 4. Dire ça, c'est le meilleur moyen de se rendre fou. Hein. Si je fais pas top 4. Mais en vrai, là, je trouve que j'ai un setup qui est quand même assez intéressant. Ça, c'est les sorts. Hein. Ah, les sorts, c'est pas le mieux, là. C'est pas le pire, hein, mais... On va essayer d'acheter tous les magnètes qu'on voit. Vous allez vivre votre propre ruée vers l'or. On peut pas... Ah, quoi, ça revient en même, en fait. Ah non, mais non, on en veut 4. On en veut pas... Non, je dis une connerie. On peut mettre un tonne de plus. Comme ça protège aussi lui, parce que lui il faut vraiment qu'il meure, oui. C'est ça hein, le setup hein. Ouais, ça me plaît bien, comme ça. Demande à mamie. Demande quoi à ma mamie? De l'argent? Non, c'est plutôt moi qui lui en donne. Hein. Il y a ça aussi hein. Après, je peux lui demander de me le rendre, mais ça se fait pas. Des démons. Ça fait peur. Ça fait peur, mais on est que tour 10 et je suis assez confiant. Je trouve que j'ai un board qui est vraiment puissant. Avec rien, je suis arrivé à monter beaucoup. Avec ce petit 2-1, ce petit ara là, bam bam bam. Ah zut, ça fait mal ça. Bon, c'est quand même 100%, ça peut faire mal. Pauvre mamie qui va se faire raquette avec des intérêts, c'est clair. C'est vrai qu'il y a les intérêts, j'ai pas pensé. Non mais ça va aller. Ah, comme tout déménagement, hein. Ça, y a toujours des frais hein, quand tu déménages de surcroît d'un appartement à une maison. Il y a des frais. Hein. Je suis pas à plaindre. Hein. C'est juste qu'il faut faire des choix quoi. Ah ça, ça fait plaisir. C'est très très bien là, le miam 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 ici. Est-ce qu'on a envie de up? Le sort qui gèle, il est taverne 6, taverne 5. En vrai, j'ai pas envie de up. Hein. J'ai envie de rester comme ça et de magnétiser. Hein. On pourrait le prendre pour essayer de le triple, ça ferait vraiment une grosse créature.
Ok. Cette bonne vieille compo Karazhan, quoi. Bon, mort vivant, c'est pas un bon match-up. Il y a plein de rip-hop. On n'aime pas du tout ça. Nous, on aime bien les compos flat. Typiquement, démon. Ouais, dans ce lobby, ça va surtout être démon. Le murloc, c'est peut-être même déjà trop gros. Bon, ça va dépendre du mort vivant après. Hein. Si c'est un mort vivant catacombe, ça peut peut-être le faire. C'est un mort vivant catacombe, ça peut le faire, je pense. Ouais. Bon, c'est l'avantage, c'est qu'avant, mort vivant, c'était plein de rip-hop. Maintenant, il y a un peu moins de rip-hop. Il y en a. Bon, il y en a parce qu'il y a le fish, mais il y en a quand même moins qu'avant, vu qu'il y a souvent les catacombes. Ce qui rend les match- le match-up différent, en fait. Faut presque considérer que c'est une compo... puissance, quoi. Enfin, on va dire homogène, avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'endurance. Ah, bien ça. Je dévore. Vous allez vivre votre propre rue vers l'or. Je vais le garder en main, lui. En fait, je l'ai joué comme un bêta. Mais j'avais pas vu que lui, il était, c'était un Robaria. Donc j'ai fait une erreur le combat d'avant. Vous voyez, j'ai joué mon Robaria alors que l'idée, c'est d'arriver à le tripler, lui. Comme ça, je peux le greffer. Après, il faudrait lui enlever le taunt. Mais je le greffe et comme ça, je peux rentrer Leroy. Là, je peux pas rentrer Leroy en l'état. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ouais, c'est que ça, franchement, c'est une compo puissante. Hein. En vrai, t'as 4 défleques à 128, 157 d'attaque. C'est vraiment efficace. Ouais, c'est réconfortant ce genre de compo. C'est vraiment réconfortant. Par exemple, si j'avais pas eu le Karazhan, je serais parti taverne 5. Parce que taverne 5, j'aurais pu dorer un déflecto et ça m'aurait permis d'en jouer un troisième, vous voyez. Donc là, je pas taverne 5 parce qu'il n'y a pas... Vous voyez, lui, on le défonce. Et pourtant, lui, il a son drone doré. C'est fou, hein. Il avait drone doré. Le Bran. Enfin, en fait, il était en mode, je vais gagner le lobby. Et là, il joue contre moi avec mes 4 déflecs et il se dit, bah, en fait, je vais pas gagner le lobby. C'est incroyable, hein. Lui, c'est bien de le tuer parce qu'il aurait... On a une compo qui accélère le lobby, vous voyez. Vu qu'on a été fort au tour 9. Tour 9, on a été tout de suite très très fort. Donc, lui, typiquement, tour 14, il devient invincible. Donc ça, c'est très agréable de pouvoir le buter. Ça fait un radet de partout à la fin. Miam, 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 ou pas. Ah, ça, ça switch les stats, ce qui peut être très intéressant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que lui a donné à lui. Bon, c'était pas le meilleur spot. Mais... C'est là que ça devient intéressant. Il y a presque un monde où on up par rapport au polarisant, mais je crois qu'en fait, j'ai... c'est trop RNG. C'est ça qu'on voulait. C'est un plaisir de techniquement... faire avec
Je vais taunter Leroy, je pense. Comme ça. C'est fat, hein. C'est vraiment fat, hein. J'y crois, en vrai, j'y crois, hein, cette game. Hein. Pourtant, elle était mal barrée, hein. Attends, mais c'est pas la game où on a fait... Ouais, je crois que c'est sur le tour 7, hein. J'ai eu des envies morbides. Quand la pyro est arrivée direct sur moi, j'étais pas bien à ce moment-là. Mais finalement, ça va, j'ai retrouvé goût à la vie. Grâce à Karazhan. On le remercie. Je sais pas s'il est dans le chat, mais merci à toi. Nice. J'ai eu un appel au boulot, je reviens, je pensais que tu serais déjà top 8. Merci de croire en moi, ça fait plaisir. Tu penses pas que drone doré avec Dracari aurait été bon? Pas du tout. Pas du tout la place. C'est des compos à 7 créa ça. Un petit miam miam miam. Ah mais ça c'est pas très intéressant à ce moment là de la game. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Des démons. Des démons. Vous allez vivre votre propre ruée vers l'or. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Peut-être qu'il y en a un qu'on détaunte. Non, je pense pas. Ça tabasse, hein! Et ça tabasse 4 déflecto. 373, 223. C'est incroyable, hein? Mais le départ était très très dur. Ouais, le départ il était catastrophique. Mais Karazhan nous a sauvés, hein, comme toujours. Ça, ça n'a pas été dingue. En fait, la clé, ça a vraiment été le Hara avec le 2-1. J'ai monté en full attaque, mais j'adore. C'est pour ça que Galakrond, par exemple, je trouve ça intéressant pour cette raison. Quand il y a Mecha et Démon, tu trouves la 2-1 rapidement. Vous voyez là, elles sont les cartes, je les ai montées que en attaque. Mais finalement, ça me permet de jouer Magnétisme, Taverne 4, vous imaginez? Magnétisme, Taverne 4, quoi. Oliège serait fier de moi, là. On n'a pas fini de chanter vos exploits. C'est beau, hein, parce qu'en plus on a joué que des 100%. Magnifique. Marché Collège, il aime bien les compos un peu déflecto. Ah, elle est belle cette game, hein. J'y ai jamais cru. Ah non, mais c'est vrai, hein. En toute honnêteté, j'y ai jamais cru à cette game, hein. Ah, ça fait plaisir, hein, après le... C'est beau, hein, parce que la game d'avant, on se prend un 13%, on fait top 8, ça nous dévaste. Là, c'était parti pour faire un top 8. J'aurais pas eu la force de continuer les games. Et là,